Annie, est-ce que vous considérez que les gens qui s'intéressent au wallon s'intéressent aussi à ces nouvelles technologies? Oui, je pense bien. Je pense à certaines personnes, à Daniel Trampon, à Charleroi. Oui, je crois que c'est l'avenir, finalement. Si on veut peut-être faire quelque chose de différent, on a peut-être intérêt à se tourner vers le net. C'est certainement utile. Et en tout cas, il y a énormément de gens de tous âges qui consultent, ça c'est sûr. Voilà, je crois que c'est un peu la conclusion à laquelle vous étiez arrivé dans ce débat que vous avez eu à la Foire du Livre. Annie, parlez-nous un peu de ce débat. Qu'est-ce qu'on a dit à peu près dans ce débat de la Foire du Livre? Dans ce débat, d'abord, on a dit qu'à la RTBF, il faudrait peut-être encore davantage que l'on parle de ces langues régionales endogènes. Alors, il est vrai qu'on s'est dit, dans le temps, il y a plusieurs années, on avait quelquefois 3 heures d'émission, ce qui n'est plus le cas maintenant. Nous n'avons plus qu'une heure et demie. Mais malgré tout, c'est quand même encore important. Alors essayons d'en faire quelque chose de bien. Voilà. Ce n'est pas à nous, évidemment, à pouvoir répondre à cela, mais à bon entendeur, salut. Voilà.